On vient tous au monde les yeux fermés. Et la plupart d'entre nous passent leur vie sans les ouvrir. On suit aveuglément ceux qui nous dirigent. On se donne corps et âme pour tout ce qui peut donner un sens à notre vie. Pour moi, c'était les Marines. Je m'étais engagé 6 mois auparavant avec mon meilleur ami, Will. On avait été déployés en Corée du Sud, à l'autre bout du monde. On était des frères d'armes. Je pouvais toujours compter sur lui pour veiller sur moi. Allez, Mitchell, ça peut pas être si mal. Je commence seulement à réaliser. C'est pour ça qu'on a signé. Mon vieux était dans les Marines, alors j'ai pas eu vraiment le choix. Ouais. Je suis là à cause de mon père aussi. Pour m'éloigner de lui. Tu pourrais difficilement t'éloigner plus. Ok, ok. On m'écoute. On a nos ordres. Insertion à la Zeta Epsilon. Simple et rapide, comme on vous l'a appris. Tout le monde sait ce qui se passe? Tout le monde sait où aller? Ouvre! Tout le monde est prêt? Ouvre! On y va! Mitchell, Irons, à vous! C'est parti. Les Nord-Coréens envahissaient Séoul. On devait les repousser. Plus qu'une mission, c'était une initiation. Ok, il faut qu'on descende de là et qu'on rejoigne l'équipe de Démolition 1. Oui, monsieur. Merde. Ok, il faut qu'on descende de là et qu'on rejoigne l'équipe de Démolition... Contact! Contact! C'est bon. Que du vide de ce côté. Je vois un endroit sûr par ici. Il va falloir qu'on saute. Préparez vos boosters. Souvenez-vous, paracoup pour contrôler la chute.
contrôle devrait être par là. De la 227e. On vient soutenir l'équipe de Démolition 1. Ils ont déjà commencé. On a cru que vous y étiez passé. Quelle est leur position? À 2 km au nord-ouest, coordonnées 775. Ok, on y va. Badger 01, attention. On a repéré un groupe de drones qui se dirige vers vous. Bien sûr. Ouvrez l'œil, les gars. Attention la tête. Michel, prends la tourelle. Éloignez ces drones de nous. L'IEM a besoin de temps pour se charger. Détruisez les drones. L'IEM à 50%. Utilise tes boosters. Saute par-dessus le camion, Michel.
Utilisez vos boosters pour sauter par-dessus ce camion. Utilisez vos boosters pour sauter par-dessus ce camion. Utilise tes boosters. On continue. Il faut qu'on traverse cet hôtel. Tyrolienne en vue! Contact à une heure. Grenade lancée! Contact à 12 heures. Contact dans les escaliers. Tirailliers. Tirailliers. Allez, allez. Il faut qu'on passe de l'autre côté. Préparez vos boosters. On ne vit qu'une fois. Toi, Mitchell. Ça change de l'entraînement, hein, Mitchell? La ville entière est... Sécurisez-moi ça. On continue.
Lance-missile AVOC, droit devant. Voilà notre cible. Il n'y a plus qu'à trouver l'équipe de démolition. Ils ont carrément démoli la rue. Le lance-missile AVOC. Les Nord-Coréens détruisent les voies principales. On va devoir contourner ce trou pour atteindre le quartier commerçant. Équipe de démolition 1, ici Badger 01. Vous êtes là? À vous. Soit Badger 01, on approche du lance-missile AVOC. Je vous envoie les coordonnées de la liaison vidéo. C'est bon, on les reçoit. On vous rejoint à pied dans 15 minutes environ. Bien sûr, on renforce notre position, terminé. C'est bon! Par la rame de métro! Des fumigènes! Lance une grenade de marquage! C'est bon! Merde! Ils les ont tous tués, ces enfoirés! Restez con... Concentré. On peut plus rien faire pour eux. Mitchell, ouvre cette porte! Tirez pas! Code bleu! Identifiez-vous! Équipe d'intervention d'Atlas. Transporte un VIP. Qu'est-ce que ça donne au sud? C'est un vrai bordel. Il faut sortir par le tunnel est. Bien reçu. Bonne chance. En route! Venez! Atlas? Will, c'est pas la société de ton père? Si. Ils ont le meilleur matos, la meilleure paye. Pourquoi t'es pas avec eux? Je voulais servir mon pays.
pas, mon vieux. Fermez-la. Je vois du mouvement par là. Une patrouille. Liquidez-les. En voilà d'autres. Des ennemis passent par là. Équipe de démolition 1, répondez! Merde! Faut qu'on se dépêche! Faut qu'on localise l'équipe de démolition. Mitchell, par ici. Voilà le lance-missile. L'équipe de démolition devrait être dans le coin. Là-bas ! Merde. Ils sont tous morts. Ok, ok. Je vois leur pack d'explosifs. On va finir le boulot. Mais on n'est pas une équipe de démolition. Non. Mais le temps qu'une autre équipe arrive, le lance-missile aura changé de position. Je vais récupérer les charges. Couvrez-moi. T'es sûr de toi, Will? Ouais, je peux le faire. Ok. Mitchell, tu vas avec Irons. Prenez ce véhicule, on vous couvre. C'est parti! Cible hostile sur la corniche!
contact à une heure. Charge à retardement! Prends-les! Contact à 11h! Récupère ces charges! Will, ce lance-missile a un sacré blindage. Tu vas devoir trouver une trappe d'accès et poser les charges à l'intérieur. Bien su! Mitchell, suis-moi! Ici Defender 2-3, on doit finir le boulot qu'il soit pas mort pour rien! 2-3, on change de cible. On est touché! Changement de position! Cormac, on se fait allumer par le lance-missile. Quelle est la situation? L'équipe de démolition s'est fait tuer! On va essayer de finir la mission à leur place! Contact! Thank you.
Mitchell, par ici! Mitchell, j'ai besoin des charges! Dépêche, Mitchell! Mitchell, j'ai besoin des charges! Dépêche, Mitchell! Donne la charge! Ok, c'est réglé. Ah ah merde! J'ai le bras cassé! Je peux plus bouger! Ok, tire! Merde! T'occupe pas de ce chrono! On va essayer! Tire! On va décoller! Dégage de là, vite! Mitchell! On n'a plus le temps! Laisse-moi! T'en fais pas. On se reverra un de ces quatre. Badger de la Terre demande évacuation immédiate! Tiens bon! Reste avec moi. Ça va aller. On va te sortir de là. Au bout de deux... Jour de combat acharné, les Marines américains sont parvenus à repousser les forces nord-coréennes de Séoul. Avec l'arrivée prochaine d'une autre division, nous avons bon espoir de voir enfin la paix et la stabilité revenir dans la région. Pourquoi est-ce qu'un homme survit et un autre meurt? À ce jour, je n'ai toujours pas de réponse. Mais la mort nous rattrape tous. Un jour ou l'autre. Quand on perd plus de 6000 hommes en à peine 4 heures, la mort de l'un d'eux n'est plus qu'un numéro parmi d'autres. Mais l'un de ces numéros était mon meilleur ami, et une partie de moi aurait préféré mourir à sa place. Les morts, ils ont réglé leurs dettes. C'est aux vivants de payer la note. Il est temps de faire nos adieux au soldat William Robert Irons, que j'ai eu le privilège et l'honneur d'avoir sous mon commandement. L'importance d'une vie se mesure à l'impact qu'elle a sur celle des autres. Sous cet aspect, le soldat Irons était parmi les meilleurs.
Il laisse une famille. Des amis. Des Marines. Et une nation redevable. Désolé, Mitchell. Oui, il était l'un des meilleurs. Écoute, on prend soin des nôtres. Si tu as besoin de... Excusez-moi, soldat Mitchell. Jonathan Irons, le père de Will. Monsieur Irons, toutes mes condoléances. Je vous remercie, sergent. Soldat Mitchell, vous étiez l'ami de Will. Vous avez tous les deux souffert pour votre pays. C'est une regrettable tragédie, monsieur. C'est plus que regrettable, sergent. Ça n'aurait pas dû arriver. Mitchell, je vous offre une seconde chance. Monsieur Irons, Mitchell a été réformé avec ses blessures. Oui, je suis au courant, sergent. Chez Atlas, nous avons des prothèses qui ont 20 ans d'avance sur l'équipement actuel de l'armée. Will m'a dit quel soldat vous étiez. Vous méritez de vous battre pour des forces aussi efficaces que vous. Pensez-y. Je refuse que Will soit mort en vain. Sergent. Ok. Vous savez ce qu'il faut faire cette fois. Alors en position.
Ils nous ont repérés. Tue-les. Envoyez un médecin.
Maman. 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 Maman.